Maintenant, le Bandekonangaï, Monescu doit partir. Parce que cet organisme, cette organisation a duré au Congo, a duré plus de 20 ans dans un pays. Le résultat aussi mesquin. Résultat exacté. J'ai même suivi une petite courte vidéo de Tinelanga Joseph Kabila, à son temps, président de la République. Kabila et Bissabango. Ah oui, la Monescu est venue nous aider. Ce n'est pas un problème. On accepte l'aide de l'ONU. Mais depuis, le constat n'est que, dites-moi, c'est Kabila qui parle dans la vidéo, dites-moi, depuis que vous êtes ici au Congo, dites-moi un groupe armé que la Monescu a déstabilisé ou, n'est-ce pas, la Monescu a éradiqué. Kabila, tout le monde est présenté, on y a dit, mais vous êtes venu ici, il y a plusieurs groupes armés au Congo. Mais depuis que vous êtes là, dites-moi un groupe armé que la Monescu a éradiqué au Congo. Ça n'existe même pas, il n'y en a même pas. Bon, tu m'as dit, non. Après, constant, parce que la vie à mon toutou, ma salle, ben, ma salle, la rétrospective. Ça dit, tu dois le voir, ta vie. 5 ans j'étais ici, 10 ans je suis ici, maintenant je dois me projeter pour l'avenir. Bah, comment on peut pas saluer examen de conscience. Bah, mais nous avons dû avec cette la mission ici, on a duré plus de 20 ans. Maintenant, après examen de conscience, après qu'on ça l'analyse à Moulaï, les Congolais se sont dit, mais la Monescu soit là, on tue les gens. La Monescu peut-être ne sera pas là, peut-être aussi, peut-être on va tuer ou bien on va pas tuer, on ne sait pas. Mais les gens qui sont venus protéger, sous leur protection, les femmes sont violées, sont massacrées, tuées, déplacées même. Et la Monescu sans hésiter, a commis même qu'on commis ça, dans le groupe où ils ont attaqué le Congo. Les armées étrangères qui attaquent le Congo, la Monescu a commis qu'on ça la éloge la Bango. Que Baza plus fort que nous, plus fort que l'armée congolaise. C'est comme ça que les Congolais se sont énervés. Baby, non, this is too much, man. This is too much. Tout le monde va continuer à boire. Mais la colère de la Congolais, mais mon manifestation s'est plus de 2 jours dans Goma, oh, bah, l'année d'opération, bah, ta Monescu. Mais bateau, bah, on va arrêter. Baza, on va la battre, on va boire. Je ne sais pas. Mais pour les déplacer, je crois que peut-être les gens là haut, les bateaux tout que nous transportons, quoi ça, comme on la montagne, mon escou n'a plus qu'à la commande, les gens là pour n'avoir vu jouer, les gens là, bon ça la prière à Jésus, on va dire que bon on va la montagne, on a déplace toi de là, et puis on déplacer, il n'y a mon escou comme à Congo, ils ne veulent pas partir. 2 jours la manifestation efficace. 2 jours la population congolaise a revendiqué. Elle est trop payée. Bah, outil qu'on soit. Bah, militaire ou sous sous. Ya, on y va outil sur Dimboka, ni Luana. Bah, il y a un sous sous Goma. Ah, bah, vraiment, bah, tu évites ton salabino ligne. Qu'est-ce que le Congo vous a fait? Ah, peuple congolais. Maintenant, le quoi là, bah, moi, pour bazar, voilà. Na bouton beaucoup na voilà que sabino quelques images il y a la manifestation Oyo et ça la mikuna grave ba congolais à Butembo ba telemaki ba binga bango le gars boni boyo kate on va voir ce qui va se passer avec vous ici, suivez la vidéo. Un plan de transition pour le retrait de la Monusco de la République démocratique du Congo a été élaboré.
la manifestation de Congolais de partout au Bayaki Koloba. Non, nous ne voulons plus de la MONUSCO chez nous. Vous devez partir. Bokende, vous libérez Mbokanabisho. Allez-y, 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 partez. Mais, Batouana, comme je viens de vous dire, Bayoga raté. Même un Congolais courageux a lancé un message ici. Ponako, Yebisa, Bata, MONUSCO. Suivez la vidéo. Lettres, nous sommes venus pour qu'on se parle, nous sommes garçons. Est-ce que Congolais dit si, oh, bon, lettre, mémo, on a dit non, mais bâton, on a dit, mais quel mémo? Nous, on n'est pas venu ici pour vous déposer le mémo. Ça fait combien de années qu'on dépose des mémo ici pour que vous partiez? Rien, vous ne voulez pas partir. Hein? Mais quand on a dit si, Bino, mon escou n'est pas à Nganzama na Congo, donc comme pour la bonne mémo, on va faire la prière à Jésus. Si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, transporte-toi de là. Et puis montagne est longue. Même mon esprit commis. Et comme on dirait, la prière, il y a foi, il y a la gêne, la habité. Ils ne veulent pas partir. Bah, il n'y a aucun été. Bah, il n'y a pas de tout. Bilan mitigé, bilan zéro, bilan négatif. Partez au moins, non. Et puis, manifestation, où tu connais ça, mon peuple congolais, bah, congolais, oh, bah, ça, là, qui manifestation, bah, mine, tout ça. Vous savez, le bilan. Le bilan est donné par le ministre. Ministre, il y a communication. Patrick Nouyaya, qui informe l'opinion, bilan, oh, yo, il y a Makambo Salami, la partie où on a l'Est à Congo, bon, au Kakombe, le Batouba Koufi, la manifestation, oh, yo, et le qui. Là aussi, écoutez, attendez tous un bilan. Voilà, bilan, peuple congolais. Voilà, bilan, excusez. Voilà, attendez tous un bilan. Oyo, oh, y a battu à MONUSCO. Oyo, oh, basali, nakati, y a RDC. Voilà, excusez. La vidéo est au raison que c'est la Bible en gros, R Moko. Suivez la vidéo. Votre patience, nous sommes dans une réunion urgente à la primature où le Premier ministre a tenu à faire le point avec quelques membres du gouvernement et quelques représentants de la mission des Nations Unies regroupées de la MONUSCO sur la situation qui a prévalu. À Goma hier et aujourd'hui matin à Goma et à Butembo. Et donc, faisant suite aux différentes communications que nous avons lancées dans la matinée, nous sommes venus ce soir faire le bilan général, plus ou moins, de ce qui s'est passé, et informer sûrement sur quelques dispositions qui ont été prises parce que, en aucun cas, la violence n'est acceptable, mais on ne saurait commencer cette communication sans. Regretter les compatriotes et certains casques bleus qui ont perdu la vie aujourd'hui. Donc, au total, on a déploré, on déplore depuis hier à peu près 15 morts, dont 12 civils et 3 casques bleus qui sont morts à Butembo. À Butembo, on a compté 7 civils, je pense, et les autres sont trouvés la mort à Goma. 61 blessés qui sont répartis dans plusieurs hôpitaux de la province du Nord Kivu, principalement à Goma, où les services du gouvernement provincial s'attellent à s'assurer que les compatriotes blessés trouvent le soin approprié que requiert leur état de santé, évidemment. Voilà. Peuple congolais, Boyoki Patrick Nouyaya, Oyo, Alobi, Apesi Bilan, le bilan de nombre de morts, plus de 17 morts, hein? 17 morts s'il vous plaît, il y a des congolais, Oyo, des Koufi, peut-être aussi ça peut être plus lourd, le bilan là, et cause à la paix, Nicolo Makassi, selon eux c'est 17 morts, mais je crois que le bilan est cause à la paix Makassi. Malheureusement, Boyoki, porte-parole à gouvernement, Balobi et non, on regrette. Donc, eux pour eux, ils regrettent. Les gens qui sont morts, les Congolais qui sont morts, il n'y a pas de compte à demander. D'ailleurs, Koutou, porte-parole à MONUSCO, à Zalaki Pembe Ninaye, ou à Zalaki Intervue na RFI, ou à Lukeli Bissot, le problème, il a répondu que non, ce n'est pas
ce n'est pas la responsabilité de la MONUSCO, n'est pas tout à coup fini. Tandis que des vidéos circulent, les vidéos circulent qui montrent preuve à l'appui comment est-ce que le casque bleu va tirer à bout portant, à balles réelles sur les manifestants. Ma vidéo est allée. Ils ont retombé là. Parce que ah, peut-être que les gens ont une vidéo à Massassi. Ils ont une vidéo à Bibembe. Ma vidéo est allée. Comment le casque bleu va tirer sur les citoyens congolais sans armes. Les vidéos est allée. Mais porte-parole au gouvernement, il y regrette. Vous regrettez quoi? Vos compatriotes viennent de mourir, plus de 17, dans un pays où ils sont sérieux. Dans un pays où ils sont sérieux, avec la manifestation, on y tue les cas. Mais les lois, on y est toujours abonné, on ne fait pas de blagues. La MONUSCO devait déjà commencer à partir, à plier bagages. Plus de 17 morts, vous trouvez ça normal? Casque blanc, il y a un bon rabino, il y a un bon congolais. Le même arme, toujours mis ces bangos que M23 ont attaqué Congo. Le casque bleu là ne voit pas le M23. Il voit les citoyens congolais devant eux. Le casque bleu là ne voit pas des citoyens, des paisibles citoyens congolais sans armes. Il voit pas plutôt le M23. Le M23 qui circule là partout au Congo, qui sème la désolation. Aujourd'hui, Bunanganda, occupé par le M23. La MONUSCO est incapable d'aller déloger le M23. Mais la MONUSCO a des armes pour tuer des Congolais. Dans un pays d'autrui, dans notre propre pays, les citoyens ont manifesté, casque bleu a omis à abolir plus de 17 Congolais. Et ça passe comme si rien n'était. Hein? Ils ont les gagnants comme si rien n'était. Les gens là sont partis en sacrifice pour rien. 17 morts, même plus. Le gouvernement, au lieu de savoir plier bagage et partir, ou bien le gouvernement fait savoir que j'ai besoin de. Il y a mon escouade de vidéos. Si je suis convaincu toujours ma vidéo, vous croyez qu'ils n'ont pas de vidéos? Il y a tout le monde, ma vérité, le monde, les hommes, ils ont tout massacré. Nakat, il y a des gens, Nasit, ils ont des vidéos. Le gouvernement congolais devait déjà commencer, surtout sur le ministère intérieur. Ministère Affaires étrangères, il pouvait être en colère et demander des explications à la MONUSCO. Nous voulons que ces éléments-là qui ont tué des Congolais basent à la juger. Quand la batiki ma Congolais, moi il y a Zoloba, je regrette. Tu regrettes parce que c'est pas ta maman qui vient de mourir. Tu regrettes parce que c'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur qui vient de mourir. Tu regrettes. Parce que ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ta femme qui vient de mourir. Tu regrettes parce que ce n'est pas ton père qui vient de mourir. Tu regrettes quoi, Mouyaya? Les Congolais, dans leur propre pays, ils manifestent, on leur tue. Vous, le gouvernement, qui êtes censé de défendre les Congolais, vous êtes incapables de défendre les citoyens, les Congolais, chez eux. Vous dites, vous regrettez, 17 morts, vous regrettez. Sans explication. Ministère intérieur coutumier existe à rater. Le ministère intérieur est sali. Ceux qui opposent l'inga ça les locaux, voilà le ministère intérieur est sali. Ministère intérieur le monde a raté. On ne l'a pas convoqué. Mais ça ne nous coûte. Mais ces gens-là à la disposition de la justice. Et puis nous tenons bango ya oni awa azokoma. Oh non. Si vous attaquez au casque bleu et comme le col à crime de guerre. Crime de guerre. Bon, MONUSCO aboni. Voilà, tout bien aboni. Les militaires de la MONUSCO aboni la Congolais. Tout bien aboni. Crime de quoi? C'est écrit, donc ils sont libres de tuer. Donc les Congolais ne peuvent pas faire quelque chose, quoi. Mais la manifestation va continuer, Bande Gonangaï, parce que. Batoualbi le 27 juillet, Batangi Bakwantou, et j'en ai choisi, dans la province, dans la citoyenne, nous surtout Balobi Kalamilité, manifestation numéro Salama, pour la zone de la manifestation grave. Baoulimbate, Tino Monescoa au Kenya, au Nakata Congo. Alors de la même manière, l'idée, Basinalengaï, Nabambeto, manifestation européenne, ma casse et salami kuna lelo, et ça a blackité, Nabambeto kuna. La partie est à Congo, balobi ke pokole mbate tozana bino awa ti boko kende. Alors maintenant, ce que vous devez savoir,
après babelo ko wana salamaki monescu ba tu ko kuta na ba ta gouvernement ba évoquer plan de retrait ba le bien non to yo ki ngé belobi to kende na to za na plan de retrait yango to ko so na bino pour la Tolonga, la RDC Suko. Suivez la vidéo. Après les travaux qui ont réuni les experts du gouvernement, la MONUSCO et les autres partenaires. Ce plan de transition est coordonné par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et le ministère du Plan est chargé de son élaboration au nom du gouvernement. Le ministre d'État en charge du plan, Christian Mandosimba Kabulo, a, en présence du vice-ministre, reçu Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, qui était accompagnée du représentant spécial adjoint pour quelques réglages de ce plan qui sera présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies sous peu. Nous étions là aujourd'hui en train de régler les dernières étapes à franchir pour que ce travail soit le reflet d'un vrai dialogue entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies dans sa composante totale, mais aussi que l'on puisse aller vers une étape où la société civile sera consultée et les autres partenaires aussi au développement seront consultés. Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, ne s'est pas empêchée de féliciter de vive voix le ministre d'État en charge du plan, Christian Mandosimba Kabulo, pour les cavaliers abattus. Pendant plusieurs semaines, des équipes à la fois de la partie gouvernementale et de la partie des Nations Unies ont travaillé d'arrache-pied. Et donc c'est de voir la meilleure façon d'articuler ça. Et comme je disais, encore une fois, pour moi, j'ai fait ce genre d'exercice dans beaucoup de pays. Et je dois dire qu'ici, je vous dis chapeau et je vous remercie. Après 22 ans d'activité en République démocratique du Congo, ce plan va déterminer le processus de retrait de la MONUSCO du territoire national jusqu'à son départ définitif. Bolanda magambo yote yoyokyo yotokoze la bangoti barokende. Donc la population doit continuer à maintenir la pression jusqu'à ce que barokende, parce que elle parle comme ça. L'année prochaine, ils vont encore ajouter un an. Elle parle comme ça, et surtout que l'année prochaine, il y a des élections qui arrivent encore au Congo. Ils vont encore dire que non, comme il y a des élections, on attend encore que l'élection s'il a bango tokokende. Donc la population doit maintenir la pression jusqu'à ce que la MONUSCO va quitter définitivement les territoires congolais. Donc un point très, parce que il n'y a rien au Togozila Panabango, après plus de combien des années qui sont plus de 20, si c'est combien des années, où la vivant à Congo. Donc il n'y a pas de quelque chose de nouveau que nous allons attendre encore de Bandegonangai. Thank you.